Allô, allô! Bienvenue sur ma chaîne Vie d'une maman passionnée de diamants. Aujourd'hui, je filme le super calendrier mon Dieu, que Sandra de la chaîne Diamant Cynthia et Sonia de la chaîne Soso Passion d'épée font à chaque mois. Et elles ont invité les chaînes qui voulaient participer à le faire. Fait que j'ai décidé d'embarquer. Je sais que ça fait déjà quelques mois qu'elles le font, mais bon, il n'est jamais trop tard pour commencer. Par contre, moi, au lieu d'avoir une toile ou un calendrier vraiment là, à diamanter, là, un calendrier tel quel, je me suis pris une petite toile que vous avez vue dans mon unboxing cette semaine. C'est la toile du gorille que j'ai séparée en 12 cases. Puis c'est ça, vous voyez, j'ai écrit les mois dessus. Fait à chaque mois, on va faire une case ensemble pendant que je réponds aux questions du mois. Donc, c'est ça. Et j'ai préparé pour cette toile-ci, vu que c'est une toile que je vais faire sur un an, là. Puis que je voulais pas comme monopoliser un de mes rangements pendant un an. J'ai mis mes diamants dans des petits sachets zip. Simplement que je vais ranger dans un bac là. Pour toute l'année. Donc c'est ça, je m'installe, je vous vire de bord, puis on commence ça. Ça sera pas long. Bon, je suis prête. Ça se peut que vous entendez bardasser derrière parce qu'il est 7h30, 19h30 le soir. Et puis, ben, je viens juste de coucher ma fille. Puis, elle n'a pas besoin de moi pour s'endormir, mais là, elle brosse un petit peu dans son lit, là, comme d'habitude. Elle n'est pas fâchée rien, mais elle se relaxe, fait que. Ça arrive que des fois elle bardasse un peu, puis ça se peut aussi qu'elle garoche ça sur sa terre ou sa doudou, puis que je dois aller lui redonner, donc ça se peut qu'on soit interrompu. Mais c'est ça la vie. Bon! Donc c'est ça, vous voyez, j'ai découvert le carré du mois d'août. Là, je vous dis, c'est sûr et certain. que je ne pourrai pas le terminer en entier aujourd'hui. Parce que, bon, mon train de vie ne me permet pas d'avoir le temps de diamanter tout ça aujourd'hui. Puis, je suis un petit peu fatiguée aussi, donc je ne veux pas me coucher trop tard. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer hors caméra. Et à la fin du vidéo, là, je vais filmer une petite partie pour vous montrer le carré une fois terminé. On va faire ça comme ça pour cette fois-ci, puis on verra la prochaine fois si on change la méthode. Bon! Comment ça fonctionne le calendrier? C'est Sonia et Sandra qui ont fait comme une liste de questions que je vais répondre par rapport au mois que nous sommes. Comme par exemple, bon ben, à quelle nourriture te fait penser le mois d'août? Et là, je vais répondre, t'sais. Et ainsi de suite. Je crois qu'il y a 10 questions. Ça devrait pas être une très longue vidéo, mais encore une fois, ça dépend de des trucs que j'ai à vous raconter en lien avec les questions. Donc là, je suis en train de faire mon habit bleu sur les petits pourcentages. Et là, je veux juste être sûre. Vous me voyez bien. Les AB, même les ronds, là, je les place à la pince parce que avec
Un crayon avec une glue dot, ça colle pas bien. Donc, je les passe à la pince. Puis, vous voyez, c'est pas parce que c'est des ronds que la pince fonctionne pas, là. Ça fonctionne plutôt bien. En fait. Bon, je voulais juste terminer ça. C'est parti, on commence. La première question, c'est en lien avec l'humeur. Donc, dans le mois d'août, comment tu te sens finalement, là? Et moi, j'ai choisi zen. Présentement, je suis plutôt zen parce que je reviens de 2 belles semaines de vacances, donc j'ai eu le temps de me ressourcer, de me calmer les nerfs un peu. Donc, c'est ça, là, je suis relax. On y va au jour le jour, on profite du beau temps qui nous reste avant que l'automne arrive. Et puis, je profite aussi des 2 semaines et demie qui me restent avec mes petits amis de garderie qui quittent pour l'école. J'en ai 3 cette année qui rentrent à l'école. Donc, ça me rend toujours un peu émotive de les voir partir, mais bon, c'est la vie, hein. L'école doit commencer. Fait que là, j'en profite au maximum. Ils savent pas, mais le 25 août, je leur ai prévu un beau party de finissant. Mais ça va être un sujet dans un de mes blogs à venir. Est-ce qu'il y a... Oh, il m'en reste un. Hein? Juste ici. Ma toile est petite, mais il y a comme vraiment beaucoup de couleurs, là. Elle a 37 couleurs pour ceux qui et celles qui n'ont pas vu le unboxing. Fait que ça fait quand même beaucoup de confettis. C'est pour ça que je n'arriverai pas à filmer, à compléter le carré là, en une fois. Mais bon, c'était pas grave. Les affaires pires que ça dans la vie. Bon! Couleur suivante. Égale. 33-25. Bon, là, je vais prendre mon crayon. Donc, c'est ça. Pour l'humeur, ben moi, je me sens zéro. Reposée. Question numéro 2. La nourriture. L'été, sûrement, comme certains d'entre vous, je suis plus portée à manger des choses froides ou du barbecue. Mais le mois d'août, ça me fait penser au Pokéball. Il y a tellement de sortes de Pokéball qu'on peut faire sans nécessairement être... être vraiment comme un sushi déconstruit, finalement. Là, t'en es pas obligé de prendre du riz à sushi avec un poisson cru, puis tout le reste des ingrédients qui va avec ça, là. Moi, je fais des taco balls avec du
spécialités cachées, l'assaisonnement à taco, de la guacamole, du maïs en grains. Qu'est-ce que je mets d'autre là-dedans? Puis comme à place de remplacer comme les coquilles à taco, là, pour, à place de prendre les coquilles à taco, pour les remplacer, j'utilise des Doritos. C'est tellement bon. Pas super santé, là, mais... Une fois de temps en temps. Ça fait pas de tort. je fais aussi un autre genre de Pokéball. C'est comme du taboulé. Je fais un taboulé, c'est du couscous avec du persil, là, en gros. Avec ben du jus de citron. Et puis... Je fais griller des pois chiches dans le four pour qu'ils deviennent croustillants. Et je fais aussi griller dans la poêle du fromage halloumi ou dorémi, du fromage à griller. Et puis, c'est ça, on met ça là-dedans, c'est délicieux. Et parlant de ma recette de couscous, je vais vous mettre une photo juste ici du dernier plat que nous avons mangé. Poup! Avouez que ça a l'air bon, hein? Si vous aviez faim, je viens de vous donner encore plus faim. Donc, c'est ça. Ça, c'était ma réponse pour la deuxième question. La troisième, c'est la couleur. Ça, ça a été facile. Tantôt, je vous ai dit que j'étais zen puis que j'allais profiter du beau temps. Ben, pour moi, beau temps égale soleil. Soleil égale jaune. Donc, pour moi, le mois d'août, c'est jaune. Avec du beau soleil. On continue. Ah oui, mon animal. L'animal. L'animal du mois, pour moi, c'est le jet bleu. C'est une sorte d'oiseau. Je vais vous mettre une photo là, juste ici. Poup! Pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi, c'est tellement beau, hein? Avec des belles couleurs bleues. J'en ai dans ma cour, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai choisi cet oiseau-là. En fait, je dirais que le mois d'août, c'est pas mal les oiseaux en général. Nous, on en a déjà eu un perroquet, ben, un coq à ciel. C'est un mini perroquet, mais là, malheureusement, il est décédé. Mais bon, un jour, on va en avoir un autre quand ça va être plus calme à la maison. Pour l'instant, j'ai pas le temps de m'occuper d'un être vivant de plus. Je vais pas passer mon plateau un peu parce que là, toutes mes diamants sont prenés en mouton dans le fond. Voilà. La musique maintenant. C'est vraiment un peu tout en lien, là, encore. Encore avec le beau temps, puis le soleil, puis la couleur jaune.
J'ai choisi la chanson Walking on Sunshine. Je vais vous mettre le lien YouTube si vous voulez aller l'écouter dans la description de la vidéo. Je commencerai pas à vous en chanter un extrait parce que je suis pas une chanteuse. Oh non. Puis là, ben, je l'ai dans la tête juste à vous en avoir parlé. Il va falloir bientôt que je remette la cire dans mon multiplaceur. Parce que ça en vient foirer pas. Puis, il prend pas les quatre. Je vais finir cette couleur-là et je vais la remettre dedans. Eh oui, je viens de vous en fredonner un extrait. C'est tout ce que vous allez avoir. Ouais, ça va être ça. Prochaine question. À quoi... À quoi vous associez le mois? À quoi j'associe le mois d'août? Pour moi, le mois d'août, c'est toujours un mois plutôt émotif. Donc, j'ai dit émotion. Parce que, ben, c'est ça, c'est la transition vers le monde des grands, de mes mini kikits pour l'école. C'est toujours pas un émotif. C'est le mois d'août, c'est le mois d'anniversaire à moi et mon conjoint. Donc c'est toujours un peu... On est du genre à se remémorer nos vieux années, là, tu sais. Un peu nostalgique. Parce que je dois vous dire que j'ai juste 30 ans et mon conjoint aussi, mais ça fait quand même 13 ans qu'on est ensemble, donc il s'en est passé des affaires en 13 ans. Donc c'est ça, ça me rend. C'est ça. Je suis tout le temps un petit peu émotive quand arrive la fin août. Donc, c'est ça. Émotion. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'ai juste à transvider mes diamants comme ça dans le sac. Bon, prochaine couleur. Prochaine couleur. Ah! 37, 35. Où es-tu? Dans mon tas de petits sacs. Mais oui. Non, il t'a caché en dessous d'un autre. Question suivante. Le film. Ah, oh, ça c'est cool. Moi et mon conjoint,
On écoute quand même beaucoup de films, là. C'est sûr que ce temps-ci, c'est plus difficile. Ben, c'est plus difficile. On en écoute moins parce que c'est l'été. Puis l'été, les fins de semaine, on est au camping. Mais sinon, l'hiver, on en écoute assez régulièrement. Et on en a écouté un justement la semaine dernière. Puis j'ai décidé de choisir ce film-là. On a écouté Jumanji. Mais les nouveaux, là. On a écouté ben, le deuxième. Mais dans les. C'est ça. Dans les nouveaux Jumanji. On trouve ça tellement drôle, là. Juste penser. Là. L'acteur Kevin Hart là, me fait mourir. Oh, bref, si vous les avez pas vus, là, allez les écouter. Je vous jure que vous allez rire. Avec Dwayne Johnson. C'est vrai, hein, j'avais dit que j'allais changer ma série, mais finalement, je l'ai pas faite. La prochaine couleur. ouais, puis en plus, il va en avoir un troisième. C'est ça, moi et mon conjoint, on a bien hâte d'aller voir ça. Sans doute qu'on va aller le voir au cinéma. On aime bien ça aller au cinéma une fois de temps en temps, faut regarder les enfants. Mais là, avec la pandémie, ben, on n'est comme pas allé. Mais là, on est allé cet été. Une fois, on est allé avec mon fils. On est allé voir Baby Boss 2. C'était la première fois qu'on l'a amené au cinéma, il y a 4 ans. Ça a bien été. Ça a quand même bien été. Il est resté assis sur ses fesses tout le long. Mais, tu sais, mon fils chuchotait pour parler. C'est comme vraiment pas sa force. Là. On était tout le temps chut, très quoi, chut. Mais bon, tu sais, on n'est pas allé voir un film full sérieux. Là. C'était un film pour enfants. Fait qu'on s'est entendu que c'était pas le seul enfant qui jasait dans la salle. Donc, c'était pas si grave que ça. Sur ce, prochaine question. Ah oui, le breuvage. Quel breuvage j'associe au mois d'août? J'ai choisi la limonade rose. C'est tellement bon, une bonne limonade. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça super rafraîchissant. Je pense que faut que j'aille voir ma fille. Je reviens. Bon, c'est reparti. Tout devrait être sous contrôle maintenant. Je pense pas qu'on se refasse redéranger. Mais Rien n'est impossible, comme on dit. J'étais en train de vous jaser de mon breuvage du mois, qui était la limonade rose. J'aime la limonade rose comme limonade, là, mais j'aime aussi... Je sais pas si vous avez vu ça, c'est sorti tout récemment, là. La vodka Smirnoff à la limonade rose. C'est vraiment de la vodka, là. Une bouteille de vodka. La bouteille, elle est magnifique, là. Elle est comme rose, mauve, jaune, là, avec des palmiers dessus, en tout cas. Elle est vraiment belle. Et puis, j'ai essayé ça, là. Essayé ça avec... du Sprite ou du 7-Up. Là. Vous mettez ça dans votre Sprite ou dans votre 7-Up avec deux petites rondelles de citron. Là. Ça
ça goûte la limonade rose, là. Mais avec un bon petit effet, mettons. À consommer avec modération, comme on dit. Parce que c'est ça. C'est très bon. C'est trop bon. Je sens que la bouteille de vodka, je la garderai pas des mois, celle-là. Je suis pas une alcoolique, là. Mais j'aime bien ça, prendre un petit verre. Une fois de temps en temps. Est-ce qu'il me reste des A? Je ne crois pas. Je pense pas. On continue. Prochaine couleur. Voyez, j'en suis déjà comme à plus que la moitié des questions. J'ai juste trois couleurs de fête et qu'on oublie ça, là, c'est sûr et certain que je finirai pas ça avec vous. H 799. H. Ah, encore du bleu. On est comme dans le spot de bleu en haut, là. Façon, vous voyez ici un peu, là, l'image en haut, c'est ça. C'est tout bleu. On fait les haches. Ouais, c'est ça, il me reste juste comme trois questions à répondre, donc. Je suis rendue à l'odeur. Ah, et ça a été super facile. La réponse m'est venue direct, j'ai choisi la pêche. Ah, oh, c'est le temps des pêches. On n'arrête pas d'acheter des pêches, là. C'est fou, rien. Puis on est comme pas tanné d'en manger, là. Ok, c'est ça. On achète... au moins un panier de pêche par semaine ce temps-ci. Et savez-vous quoi? J'ai encore pas changé ma cire dans mon crayon! Puis là, je vais le faire. Parce que là, maintenant, ça suffit. Hein? Ça suffit. On va changer ça. Vous allez me voir faire en même temps, là. À peu près. Non, regarde la vieille. Dans les petits placards, j'utilise la cire rose là, qui vient avec les DP ou de la gommette. De la gommette pour accrocher des trucs au mur. Hein. Mais là, ben, j'avais de la cire. Là, fait que on va remettre de la cire. J'avais de la cire dans ce crayon. Là. Pique là-dedans. Oui, hein. On essaye, en tout cas. Allez! Voilà! Bon! Ok! On est prêt. Bon, je disais que mon odeur du mois d'août, c'était la pêche. Mais ça sent tellement bon, les pêches, là. J'avais une chandelle. Moi, j'adore les chandelles. Là. Je suis un petit peu vendue Bath & Body Works. Là. Les chandelles à trois mèches. Là. Mais comme le plus proche magasin est à 3 heures de route de chez nous, ben, donc j'y vais pas souvent. Et l'autre fois, j'ai fait une trouvaille au Dollarama. Et c'était une chandelle aux pêches. 3 mèches, 4 piastres. Je me suis dit que
même si elle sentait pas beaucoup, j'avais rien à perdre. Finalement, là, elle sent full. Ça sent tellement bon, là. Mais là, elle est déjà presque toute brûlée. Fait que c'est ça. Mais, ouais. L'odeur de la pêche. J'adore ça. Les odeurs fruitées, c'est pas mal. C'est pas mal ce que je préfère. Avant-dernière question. Les fêtes importantes pour moi que j'ai au mois d'août. Au mois d'août, il y a quelques fêtes. Premièrement, le 1er août, c'est la fête à mon petit frère. Parce que chez nous, on est 4 enfants et je suis la plus vieille. J'ai un frère, mon plus jeune frère, j'ai 10 ans de différence avec lui. Donc, lui, il a eu 21 ans parce que moi, j'ai 30, mais je vais avoir 31 cette année. Donc, mon plus jeune frère a eu 21 ans le 1er août. Ensuite, le 21 août, c'est la fête à mon conjoint. Donc, lui aussi s'en vient sur ses 31 ans. Il va les avoir un peu avant moi. Fait que pendant quelques mois, je peux dire que je suis plus jeune que lui. c'est ça. On a prévu de le fêter. On va le fêter avec sa famille, comme sa soeur, ses parents, au camping en fin de semaine. La fin de semaine qui s'en vient. Donc, ce sera pas sa journée de fête, la vraie journée de sa fête. Mais nous, on va le refaiter, là, ben juste moi avec mes deux enfants, vraiment la journée de sa fête. Et ben je vous dirai pas son cadeau parce que, au cas d'où, qui m'écouterait pour une fois, hein, on sait jamais, il faudrait bien qu'il dise « Ah ben je vais l'écouter cette vidéo-là ». Parce que oui, il est abonné à ma chaîne, mais clairement que j'ai bien beau être sa blonde. Je dois pas être la seule que son chum n'écoute pas ses vidéos. Là. Ça me fait pas de peine. Mais bon, je vais vous raconter. Quand ça va être passé, son anniversaire dans un vlog, dans un de mes vlogs à venir. Ensuite, cette année, parce que, tu sais, mettons, c'est pas tous les mois d'août là, que ça arrive, mais cette année, le 27 à où ma soeur arrive, parce que ma soeur, elle habite à Vancouver, puis elle essaye de venir deux fois par année, mais c'est ça, fait que là, elle vient comme à Noël, puis elle essaye de revenir une fois durant l'été, puis là, ben c'est ça, c'est le 27 à où qu'elle arrive. Elle vient pas longtemps, là, elle vient juste comme 4 jours, je pense, là. Mais bon, mon fils va pouvoir profiter de sa marraine. Elle gâte à l'année longue, là. Des fois, je reçois des colis par la poste que j'ai jamais commandé, là. Puis c'est elle. Elle gâte mes enfants en masse. Même si elle n'est pas là physiquement.
Donc, c'est ça, le 27 août, ma soeur revient. J'ai skippé la journée du 25. Ben, c'est ça, c'est ma fête de finissant. Avec mes petits qui rentrent à l'école. Leur dernière journée, par exemple, ça va être le 26. Leur dernière journée avec moi. J'ai comme prévu des petites surprises, puis il y en avait une qui était disponible juste le 25. Fait que j'ai décidé de faire ça le 25. De faire le party le 25. Puis le 27, ben, vendredi le 27, j'ai fermé ma garderie. Parce que ma soeur est là. Puis je vais en profiter. Je la vois pas souvent, mettons, fait que quand elle est là, on en profite. Et puis, dernière date importante pour moi, le 29. Comme je vous ai dit tantôt, le 29, c'est notre anniversaire à moi et mon conjoint. On n'est pas mariés, fait que c'est juste la date officielle qu'on a commencé à sortir ensemble. C'est ça. C'était le 29 août 2008. Ça fait longtemps. Et puis pour l'occasion, on va toujours souper au resto. C'est comme notre sortie à ce restaurant-là par année, là. On va à un restaurant qu'on adore qui s'appelle le Harlequin. Si vous venez à Rimouski, ben là, c'est sûr, il faut réserver d'avance, OK? Mais comme pas une semaine. Je vous dirais d'appeler facilement un mois d'avance. C'est juste délicieux. C'est tout petit, c'est super intime. Et tu vois la cuisine, donc tu vois le chef préparer ton assiette. Puis c'est toutes des choses fraîches parce qu'il n'y a aucun congélateur. Et je le sais parce que c'est mon chum qui a fait les frigidaires. La ventilation puis tout là. Hein, parce que c'est ça, mon conjoint est frigoriste. Une fois par année, on va là. Et c'est toujours délicieux. Donc, c'est ça pour moi les dates importantes du mois d'août. Et la dernière question. Je crois que je n'ai plus de hache. Désolée, je saute un peu du coq à l'âne. Mais bon, non, j'ai plus de hache. La dernière question, c'est ben, quels sont les dépôts que vous avez terminés le dernier mois? Le mois dernier. Ben, pour moi, c'est pas compliqué, j'en ai pas fini. J'en ai comme. Attendez un peu vous que je compte. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6 en cours avec celui-là, mais c'est celui-là clairement qui sera pas fini avant un an. Mais j'en ai pas un fini. J'en ai pas fini un. Ben c'est ça fait quand tu ben fais des gros projets. C'est long. Mais ce qui va arriver, c'est que je vais comme pas mal toutes les finir en même temps. Fait que je vais avoir une couple de revues de toile un coup qui vont être finies sur la chaîne. Mais bon, c'est ça, j'en ai pas terminé, donc j'ai rien à vous montrer pour cette question aussi. Pour ce mois-ci. Je vais essayer d'en terminer une pour le mois prochain. Pour le calendrier du mois de septembre. Donc, sur ce, comme promis, moi, je vais continuer le carré hors caméra. Et
Pour moi, ça va être un autre moment, mais pour vous, ça va être tout de suite. Je vais vous montrer le petit carré terminé à l'instant. Donc, ben c'est ça. À tout de suite! Voilà, voilà! J'ai terminé le carré du mois d'août. Là, désolée, ça se peut que ça gigote parce que je vous tiens dans mes mains. C'est ça, hein? Je recule parce qu'on voit toujours mieux de loin. C'est ça. Ça, c'était le carré du mois d'août. Je vais continuer le calendrier. J'ai bien aimé. Donc, on va se retrouver pour le carré de septembre dans un mois. J'espère que vous avez aussi apprécié. Finalement, c'est quasiment comme un mini-vlog parce que ça dure, je sais pas, 40 minutes, je pense. Oups! J'avais de la jasette à soir, mais bon, que voulez-vous? Donc, sur ce, je vous laisse et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye!